dernière Wild Race, c'est parfait, les conditions sont là, ça bouge un petit peu, les bouées sont pas trop dangereuses, bien espacées comparé à l'année dernière. On a pris un peu plus de sécurité, mais on a beaucoup plus de concurrents aussi. Donc un vrai régal, je pense, pour les yeux aussi, pour le public. It was a hard race because we have big waves inside the close course. And 10 laps, it's more for this distance. Du coup, autour de Schoff, la courroie l'a cassée. Et malheureusement, j'ai pas pu prendre le départ de la closée de course. Donc abandon. Et ben, on va réparer pour demain, faire l'étape de consommation. Voilà. Dégoûté. À mon avis, il y en a pour quelques heures. Il y en a au moins pour 2 heures déjà. Après, on va faire un check sur la machine en entier parce que demain, la journée elle va être assez longue et de ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Encore une fois, c'est long, c'est jusqu'à samedi, on est à peine mardi, donc il y a encore de belles étapes, encore de belles surprises pour beaucoup d'autres pilotes. Je souhaite à personne d'avoir des problèmes comme ça parce que c'est vrai que c'est embêtant, ça pénalise, on vient de loin et on vient pour se faire plaisir avant tout et c'est de finir les courses. Le primordial, quoi. Donc après, voilà, ça c'est des pannes bêtes. Ça coûte pas très cher, mais ça casse. Voilà. À l'origine, je suis pas un pilote d'endurance et de rallye raid. Je fais plutôt de la vitesse. Et on est venu avec un ami à moi faire ce raid là, avec sa femme aussi. C'est une expérience que j'avais envie de vivre depuis quelques années déjà. Et mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est la première course. On découvre un petit peu les symptômes qui peuvent être. Sur la longueur du raid, quoi. Voilà, c'est pas mal d'étapes. Moi, je suis plutôt un pilote de vitesse. Ça, c'est une étape aujourd'hui que j'aurais aimé gagner. C'est une étape qui me correspond avec un jet que je connais depuis déjà quelques années et sur la vitesse. Donc aujourd'hui, je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Le plan d'eau était assez agité. Ça aurait pu être des conditions parfaites pour moi. Et dans le tour de Schoff, voilà, ça fait partie du jeu. C'est la casse de la courroie. Et privé de victoire, privé de manche, privé d'étape. Et puis voilà, on va faire ça, les choses bien pour demain. Et on va essayer de faire du résultat sur les autres prochains jours, quoi.